Balzac. Enfin dans le fauteuil. D'abord, vous allez voir, c'est plus confortable, là, ici, ce fauteuil. Un peu, ouais. Ah oui, oui, vous êtes mieux assis, et ça va nous permettre de parler de ce nouvel album, magnifiquement accueilli par la critique. Ça vous fait toujours plaisir aujourd'hui, parce que vous en êtes... Il y a eu plus d'albums que ça, parce qu'il y a eu des albums live, mais je crois au 18e album studio. Ça vous fait encore plaisir, les bonnes critiques, ou vous en foutez? Les critiques... C'est apprendre d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça dépend qui. Les critiques, c'est toujours une personne qui les fait. Ouais. Donc, moi, pour cet album, en tout cas, les critiques, en général, je me les fais moi-même et je suis très, très dur. Très, beaucoup très plus dur. Très dur avec vous-même. Dur avec moi-même et souvent très douteur et très... C'est pas à la hauteur, c'est pas assez bien, etc. Bah, par exemple, Sophie Delassin dans L'Obs, elle vous met dans la catégorie « En hausse ». Higelin, c'est jeune. Voilà. Quelqu'un comme Higelin, qui a 72 ans, signe un disque d'une éclatante jeunesse, comme on n'en trouve pas sur les autres albums en ce moment. Ça vous fait plaisir? Oui, très. Ouais. Bien sûr. Quand même. Quand même. Télérama, pareil. Ah, c'est ça que vous vouliez dire, quand même. Bah oui. Oui, oui. Ouais. Bah, vous n'êtes pas blasé? Non. Non. Ah bah non. Ça fait encore plaisir, vous en foutez pas totalement. Je m'en fous pas du tout. Parce que d'habitude, quand quelqu'un me fait une critique et qui est dure, je peux vraiment être très très mal, quoi. Ah oui. Ça peut vous toucher encore. Mais un peu moins qu'avant, parce que, encore une fois, ce n'est qu'une personne, et cette personne a tout à fait le droit de vous aimer ou de ne pas vous aimer. Il y a des gens qui vont pas aimer cet album, il y en a déjà deux. Qui? Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit il y en a deux qui aiment pas. Voilà. C'est pas eux en tout cas, mais non, ce soir. C'est pas nous, ça on c'est a sûr. Été gentils comme non, tout. Parce que moi je regarde pas. Comment vous appelez tout ça, vous? YouTube. Internet. Internet. Ah, les réactions sur les réseaux sociaux. Facebook. YouPorn. 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 Vous n'allez pas là-dessus? Non. Non, non. Bah non. Je lis, par exemple, ça c'est quand même assez intéressant ce qui est écrit là, je lis dans cet album, c'est vous qui le dites, il y a quelque chose comme le début d'une vieillesse heureuse et harmonieuse. Voilà. Même sur une chaise roulante, je me vois finir comme un messager de l'amour. D'accord. J'ose même pas penser à l'état dans lequel j'étais quand j'ai dit ça. J'ose même pas imaginer. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Je l'ai dit pour me marier. Parlons alors de Edith Fambuena, avec qui vous avez travaillé sur cet album. Oui. Elle est d'origine espagnole. Je crois que vous ne la connaissiez pas si bien que ça, à part pour le travail qu'elle avait effectué. Je la connaissais par Jacques Nau, ouais. Notre ami commun, et par Bachung, et par aussi Étienne Dao, avec qui elle a travaillé. Et à un moment donné, il y a 2 ou 3 ans avant... Je lui ai demandé si ça lui plairait de faire un album avec moi. Elle m'a dit tout à fait, mais qu'elle n'était pas libre à ce moment-là. C'est une femme d'une honnêteté incroyable et qui est merveilleuse. Et là, elle a été libre pour le faire. Et donc, super. Et vous êtes parti travailler dans le midi de la France? Oui, à Saint-Paul. Saint-Paul-de-Vence. De Vence, vous croyez? Non, Saint-Rémy. C'est vous qui y êtes. Saint-Rémy-de-Provence. 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 Pas pareil, mais... Ah oui, mais c'était Sainte-Marie-aux-Mines, l'album avant, avec Rodolphe Burger. C'était pas Porte-de-Vence? Qu'est-ce qu'il est con, lui, alors? Oui, mais ça nous plaît. Ah oui, non, mais franchement, moi, il me fait... C'est pour ça que j'ai ri, moi, dans son film, parce qu'il me fait marrer autant. Pareil, c'est le même, hein, de toute façon. C'est pareil, dans le film comme sur ce plateau. C'est pas compliqué. Mais alors... Elle avait quel rôle, cette Edith Fambuena avec vous? Elle vous manageait, elle vous boostait, Moi, je trouve que elle vous poussait tous les dans vos retranchements? Ah, pardon. La phrase n'était pas finie. Ouais. Toute personne qui réalise un album avec quelqu'un est un accoucheur ou une accoucheuse. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait faire le bébé, quoi, parce que c'est quand même une histoire d'enfantement, un album. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'elle dit, ouais.
Biouna. Ah oui, d'accord. Vous, ça va? Non, bah parce que tout d'un coup, j'ai entendu une voix. Bachung. Ouais, ouais. Vous n'avez pas peur, des fois, des voix que vous entendez ou des personnes qui se présentent? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils se présentent en habit? Ils se présentent tels qu'ils se souviennent avoir été. Donc, pas vraiment ce qu'ils étaient, en fait. Ah. C'est compliqué. Ça, il y a de l'espoir. Définitivement de gauche. Alors, vous étiez donc dans un studio, une bâtisse du 19e siècle à Saint-Rémy-de-Provence, avec Edith Frambuena, à travailler sur cet album. En gros, parfois, elle vous calmait, parfois, elle vous encourageait à... Ben, elle m'a tout de suite plu, parce qu'elle avait un regard complètement enthousiaste, complètement allumé. Et elle a parlé comme une artiste, qui n'a pas du tout été impressionnée par le fait, comme c'est arrivé parfois... qui dit c'est Jacques Higelin, il doit avoir ses lubies, le mec il n'en sort plus, fait des albums, il a une grosse carrière, tu vois. Et elle, pas du tout. Elle était neuve. Elle m'a regardé comme un être humain simple, comme un enfant même des fois. Elle a dit à ma femme, elle a dit à un moment donné, Jacques, il a 8 ans, alors je lui dis assieds-toi. Et je m'assoyais et elle me disait, qu'est-ce que tu veux exactement? Mais d'ailleurs, Brel, Brassens, dans la photo qu'il y a avec Ferré, avec Ferré, oui. Ils ont tous convenu que tous les artistes étaient des enfants, quoi. C'était des éternels enfants et des gens qui n'ont pas tué jamais l'enfant qui est en eux. Sinon, on ne pourrait pas créer. On s'ennuierait, voilà. Et si on s'ennuierait, on ne ferait pas ça. En tout cas, ça donne de sacrées chansons. La balade au bord de l'eau, par exemple. Sol, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. La joie de vivre, hein. Rien que les titres vous indiquent quand même le bonheur qu'on a à écouter cet album. Rendez-vous en gare d'Angoulême. Être là, être en vie aussi. Ça, c'est la fameuse chanson, on va dire, dédiée à Barbara. Ouais. Et en fait, je voulais la dédier à... Amy Winehouse. Amy Winehouse. Au début, quand j'ai écouté la musique, tu vois, quand j'ai écrit la musique, je la voyais, elle, et puis il y avait des phrases, un bar de saut, elle était déjantée et tout. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, j'adore cette femme-là. Elle peut nous contacter, hein, tiens, par exemple. Oui. En plus, il n'y a pas longtemps qu'elle est partie. Tout à fait. Elle est peut-être en chemin encore. Mais c'est vrai, parce que ça arrive parfois. Il reste bloqué parfois. Oui. Mais oui, c'est ce que vous dites. Non, mais je suis sérieux, là. Alors là, je ne présente pas, c'est ce que vous dites dans le livre. Hein. Évidemment. En fait, il y a plusieurs... Bien sûr, oui. Voilà. bien sûr. Elle est à la gare, là, encore. Moi, je suis assez partant avec ces histoires-là. Mais nous, on rigole. Parce que l'imaginaire est une source d'invention. Et moi, je me retrouve souvent à écrire les chansons parce que je les vois. C'est comme des films pour moi. C'est toujours des courts-métrages. Voilà, chacun son truc. Et je rentre dans le film et je peux passer une nuit entière. Jacques Higelin, je dis un moment, d'ailleurs, dans une interview à Rolling Stone, vous dites, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait des dieux, des déesses et des esprits qui veillent sur moi. Mmh. Ah oui. Oui, vous l'avez dit. Non, bah alors, attendez, qu'elle nous explique, Patricia, pendant que Jacques est assis dans son fauteuil. C'est elle qui l'a dit ou c'est moi? C'est vous, Jacques. Oui, je suis d'accord. Ah. Alors, expliquez-moi ceux qui sont bloqués et qui ne partent pas. Alors, c'est quoi ça? Il y a des gens qui décèdent et qui ne partent pas, qui restent avec ceux qui sont encore incarnés vivants, parce qu'ils sont bloqués soit par la culpabilité, soit parce que ceux qui sont vivants les bloquent en les retenant simplement par le chagrin ou par une espèce de en leur disant pourquoi tu me fais ça? Le fait de pourquoi tu m'as fait ça en mourant? Quelquefois, c'est pas tout le temps, parce qu'il n'y a pas de généralité dans ce monde-là, dans ces dimensions-là. Quelquefois, ils restent là, ils ne passent pas, ils ne partent pas. C'est inconditionnel, ces choses-là, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui vous fait rire, Fabrice? Ah si, je veux savoir. Ah si, on coupera. Non, Éric Caron. Moi, je parle et je suis une espèce de coming out et je sais que c'est très casse-gueule ce que j'ai fait. Je sais que c'est extrêmement casse-gueule. Mais je m'en fous. Fichez, mais je m'en fous complètement. Mon ego, il y avait l'urette que j'ai laissée
dans les oubliettes. Belle lurette, moi le bas. Très bien. Et dans en les fait... oubliettes, belle lurette dans les oubliettes. Tu devrais... Ça, c'est un fait... titre. Ouais. Belle lurette dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Ça, c'est du hige, là. Belle lurette dans les oubliettes. Ouais, ouais. Alors, revenons à Amy Winehouse. Et à Barbara. Belle lurette dans les caniveaux. Amy Winehouse qui s'est donc transformée en Barbara. Non, c'était le premier couplet. Et puis j'ai senti que c'était une fausse piste parce que quelque chose n'allait pas, j'y arrivais pas. Tout d'un coup, il est sorti un numéro de Télérama spécial Barbara. Barbara. Et là, j'ai acheté, voilà. Et j'ai acheté ce magazine. Comment on appelle ça ? Magazine ? Ah oui, je ne vous les ai pas dit, mais je perds de plus en plus de mots parce que j'en ai trop. Magazine et Barbara qui me regardait avec ce beau... sourire merveilleux, et tout d'un coup, elle était là, elle me dit, mais où tu vas là, où tu vas, tu vois, pourquoi tu te plantes? Et comme c'était une amie, j'ai été complètement touché par elle, mais c'est pour ça qu'il y a des choses, et tout d'un coup, son regard, je me suis plongé dedans, dans cette maison-là, la fabrique à Saint-Rémy-de-Provence. Et... le mec, ça va être long. L'autre, il cherche des mots à l'appel. Et puis voilà, alors j'ai passé toutes les soirées avec elle avant de m'endormir, et puis j'écrivais. Et j'ai écrit cette chanson. Ben, ça a donné une jolie chanson. Vous êtes d'accord avec ça, Natacha Polony? Oui, il y a beaucoup de très jolies chansons. Je trouve en plus que c'est... Je disais tout à l'heure que ce sont des chansons qui donnent du bonheur. Mais il y a à la fois ce ton nostalgique, parfois une douceur, parfois une joie intense. C'est extrêmement varié. J'aime énormément le duo avec Sandrine Bonnaire parce que j'ai trouvé qu'il me faisait le même effet dans un style totalement différent que la chanson Boomerang de Gainsbourg. C'est-à-dire, qui a été reprise par Dao et Dany. C'est-à-dire le même genre de duo qui fonctionne très très bien sur des mots qui s'enchaînent, qui sont parfois cyniques, parfois violents, et en même temps on sent un profond amour. Oui. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de concevoir l'amour. C'est elle qui l'a trouvé dans... Elle était venue chez moi, je lui avais montré tous les classeurs. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est des classeurs où tout est classé. Pas du tout, quoi. Je les ouvre et c'est tout à fait le bordel. Alors, bizarrement, le duo avec Bonnaire, c'est... Oui, moi aussi. C'est pas ce que je préfère. Non, mais toutes les autres sont très bien. Très, très bien. Ah non, ne dites pas ça. Vous avez très mauvais goût. On retrouve. Non, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est sans doute votre album le plus pop, le plus accessible. On retrouve les fondamentaux Higelin. D'ailleurs, il y a même des clins d'œil sur votre propre carrière. C'est la chanson « Tomorrow Morning ». Ça fait penser à I Love the Queen, chanson d'il y a 40 ans, mais un peu. Voilà, il y a des clins d'œil. On retrouve les clins d'œil, évidemment, à Traîner, qui sont vraiment évidents. J'ai pas pensé du tout à ça. Non, mais parfois, on fait des choses auxquelles on pense pas consciemment, mais c'est vous. J'étais dans les Ardennes, et il y avait un jeune homme avec sa femme, qui était hollandais, et qui essayait de me parler en anglais, en petit anglais, quoi, tu vois. Ouais. Je connais toi parce que tu vois. Et j'ai dit, putain, c'est génial, quoi, comment il parle. Et je me suis mis, j'ai passé toute la nuit, je lui ai parlé comme ça. Moi, je te fais toi et prends ton cuillère et je mets dans mon fourchette, tu vois, et la tasse, je le renverse sur les abeilles. Voilà, et on a. Et cette rencontre avec Jane Birkin, alors? Ah, ça, j'aurais bien aimé avec elle. Ah ouais. Ça aurait été un bon duo, bien. Ça. Ah ouais. Ah ouais. Jane, on l'adore. Mais moi, j'aime beaucoup cette histoire avec Sandrine. Parce que Sandrine, quand elle était adolescente, avec sa sœur, elles écoutaient en boucle. Voilà. Elle est rayonnante, hein, il faut dire. Ouais. Tu vois, ils apparaissent comme ça. Ah enfin, elle est encore vivante. C'est quand même miraculeux, cette époque. Tu vois, tu parles de quelqu'un et... Elle me sourit, mon ange. Elle a trouvé le texte dans ce cahier, les classeurs. Elle m'a dit ça, ouais, j'ai envie de le faire. Je pense que cet album, dans chaque chanson, porte en fait toute une part de la mémoire de la chanson française. Et que c'est ça qui est intéressant. On y retrouve... Ce ne sont pas des références explicites. C'est une espèce d'ambiance qui nous raconte
toutes les phases par où est passée la chanson française, et c'est en ça que c'est un classique. C'est incroyable. Elle se tenait à cette idée de chanter, chanter. Et moi, depuis l'enfance, je chante, quoi. C'est pour moi aussi complètement naturel. Et tous les jours, je me réveille avec une mélodie dans la tête que j'utiliserai ou pas. Et je chantonne en marchant dans les rues. Et puis même, des fois, j'ai pas l'air, mais il y a de la musique qui circule tout le temps. C'est une chance inouïe d'avoir eu ce don. Et comme disait Nougaro, un don, c'est fait pour être donné. Un mot sur votre carrière, le mot est fort, parce que vous avez fait peu de cinéma à chaque fois. Bon, vous avez eu l'air de faire ça, comme ça, un peu, en tout cas au début de votre carrière, en vous amusant ou pas, en vous amusant même d'ailleurs, parce que ça ne vous amusait pas suffisamment pour en faire plus. Il y a eu les films de Pires, Elle court la banlieue et quelques autres. Et récemment, en revanche, il y a eu ce film, qui est encore d'ailleurs dans beaucoup de salles de cinéma, et on est à, je crois, pas loin de 2 millions de spectateurs, c'est Japlou. Alors, vous êtes formidable dans ce film, qui est un gros succès. Ça vous a donné... redonner envie d'en faire du cinéma ou pas du tout? J'ai adoré l'équipe et le réalisateur canadien et le chef opérateur canadien qui étaient vraiment merveilleux et d'une générosité folle et qui ont soudé toute l'équipe entre tout le monde. J'ai rencontré Daniel Auteuil, rencontré Guillaume Canet et ils m'ont fait tellement rire qu'à un moment donné je suis devenu spectateur des 12 jours de tournage que j'avais. Donc je les ai tous regardés, j'étais mort de rire, et puis j'étais très observateur. Il y a les chevaux aussi. Les chevaux, c'est incroyable. Ce qui était beau dans ce film, c'est qu'ils ont réussi à faire une grande équipe. Et une grande équipe où tous les techniciens, les décorateurs, décoratrices, la musique, tout ça, tous les gens qui participaient à cette histoire étaient vraiment généreux, joyeux. Et très partageur. Et ben donc, ça se ressent sur l'écran. À la fin du tournage, ils ont décidé de faire une soirée de mon tournage. Et moi, je leur ai fait un show qui a duré 3 heures. Ah ben voilà, donc vous chantez encore 3 heures. Où je les ai imités tous en racontant le film à ma façon, qui était loin d'être terminé puisqu'il commençait. Voilà. Un mot, Jacques Higelin, sur la famille. Higelin, à un moment donné, on n'osait pas, quand on interrogeait, quand on interviewait, ou Arthur H, ou Isia, on n'osait pas trop leur parler de leur père, parce qu'on se disait, ils vont en avoir marre qu'on leur parle de Jacques Higelin. Et alors, aujourd'hui, parfois, je me dis, ah, tiens, est-ce que ce n'est pas vrai aussi pour vous? Est-ce que vous n'avez pas marre qu'on vous interroge sur vos enfants? Non. 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 Ça vous fait plaisir? Oui. Parce que beaucoup de gens pensent du bien de mes enfants. Et moi, oh, mon cœur, elle apparaît. On en parle et puis ils apparaissent. Comment vous avez fait? Je vous ai vu chez Michel Drucker, vous avez dit, ah, si je vais chez Drucker, je vais lui dire 2 mots, moi. Parce qu'il a appelé sa chienne Isia comme ma fille. Ouais. Et ça, ça ne me fait pas plaisir du tout. Oui, mais ma fille, entre-temps, qui est passée chez lui, m'a dit qu'il était très gentil et que... il n'y avait pas de malveillance là-dedans. Ah bah non, pensez pas que Michel avait appelé sa chienne du prénom de votre fille pour vous emmerder quand même. Si, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui avait appelé un chien dans le 16e arrondissement et la bonne femme, elle gueulait toujours « Gainsbourg, Gainsbourg, viens ici, Gainsbourg, couchez !» Tu vois, c'était ignoble. Je me suis levé à un moment donné, j'ai dit « Attendez, Gainsbourg, quand même hein !» Et puis elle voulait... dire ça pour se faire remarquer, c'était une femme moche. Ah non, mais je peux pas croire, quand même. Ah, vous êtes torturé, hein. Je peux pas croire qu'un seul instant, vous ayez pensé que Michel Drucker ait pu appeler sa chienne Isia pour vous emmerder. Pas pour m'emmerder, mais je trouvais ça pas bien pour elle, quoi. Pour la chienne ou pour le... Non, mais des fois, t'es avec tes enfants, tu vois, t'es à l'ancienne et dans un village, j'aurais dégainé mon épée et puis je l'aurais piqué jusqu'à ce qu'il... Et puis j'aurais haché sa chienne
décapité. Oh non, elle est adorable. Les deux petites souris, la personne n'est intervenue. Elles sont vivantes encore. Hein. Oui, d'accord. Et Isia, elle est charmante. Émeric était à la limite d'intervenir sur les souris. Isia, on la voit au repas, là, tous les matins, elle est charmante, toujours. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune comparaison, évidemment, avec l'autre Isia. Non, mais je rigole parce que je suis bête. Mais alors elle est charmante. Et puis là, on l'a reçue ici hein, ouais. quand elle est venue pour nous, cette fille. C'était alors elle est solaire, votre fille. Oui, très. Très solaire. Très. Vous dites d'ailleurs, c'est d'elle dont vous avez été le meilleur papa, plus que vos deux autres enfants, parce qu'on oublie toujours parler de Ken, c'est ça, le troisième non, enfant. Non, mais parce que les deux enfants, avant, les deux fils, j'étais beaucoup plus pris. À ce moment-là, j'étais plus jeune aussi. Et, oui. Et j'ai été beaucoup pris par les tournées, la route, les aventures en plus, les trucs, les villages, les trucs, drogue, alcool, tout le bordel, quoi. Et je m'en veux encore. Mais quand elle est arrivée, 50 ans j'avais, tu sais, juste 90, toi. Après, tous les deux, on a toujours 10 ans d'écart. Et là, à 20 ans, moi j'ai 70 ans, tu vois. Et c'est une merveille, quoi. Cet enfant est rentré dans ma vie, c'est miraculeux, quoi. Miraculeux. Mais les deux autres aussi. Ken et Arthur. Oui. Ken et Arthur, je les aime profondément. Ouais. Parfait. Jacques Higelin, quelques questions-réactions. Choisissez entre 1 et 6. 6. 6. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Schmouf qui vous dit « Jacques, des scientifiques affirment que vous êtes le seul homme sur Terre à pouvoir communiquer avec Brigitte Fontaine, est-ce vrai ?» Oui. C'est toujours vrai. C'est un génie, cette femme. C'est un caractère. C'est comment elle s'appelle, la bretonne qui est habillée en vert, là ? Bécassine ? Bécassine, mais... puissance. Ah oui, alors parce 10 000, que Bécassine, c'est pas un génie au départ. Non, oui. Non, bien sûr que oui. Ah oui ? Je lui ai dit, elle a Bécassine chez elle, en statue. Ah. Oui, mais... mais on parle bien de Brigitte Fontaine, pas de Chantal Goya. Oh l'autre, il se croit drôle. Mais non. La folie des artistes, c'est pas du tout la même chose. Les artistes sont des gens tout à fait normaux, comme j'aimerais que tout le monde soit. Parce qu'à ce moment-là, on se marrerait beaucoup plus, quoi, et on s'éclaterait. Un autre numéro, monsieur Higelin. Oh, le 5, là, il me... Le 5. Il s'agit de Michael Ange, Mika Miam. Bon repère, c'est le titre de l'album. Vous ne trouvez pas, Jacques, que ça fait nom de maison de retraite ? Va te faire foutre. Oh. Ben voilà, c'est la réponse de Jacques Higelin. Vous pouvez retourner à votre table et on vous remercie. Vous serez au Casino de Paris en juin, les 10 et 11 juin prochains, avec vos nouvelles chansons. C'est quasi complet hein, au Casino de Paris. Donc un zénith est déjà programmé en novembre, le 26 novembre 2013, pour ceux qui ne trouveraient pas de place au Casino de Paris.